Bonjour. Bonjour François. Donc, comment est-ce que tu t'appelles ? Jérôme Croyère. Et je suis gérant de Ruban Vert. Qu'est-ce que c'est ? Ruban Vert ? Oui. C'est une société qui a 20 ans cette année et qui fait de la location de bateaux électriques sur l'Erdre, sur la Sèvre et sur la rivière de Crac à la Trinité-sur-Mer. Des bateaux électriques, mais ça veut dire des bateaux nucléaires ? Peut-être, peut-être jusqu'à maintenant. Non, disons qu'il y a... Remettons les choses à leur place. Nos bateaux, ils ne polluent absolument pas sur la rivière. Sur place, ils ne polluent absolument pas. Maintenant, effectivement, jusqu'à présent, c'était EDF qui était le fournisseur de tout le monde. EDF, à 70%, c'est du nucléaire. Depuis la libéralisation de l'énergie, il y a Enercop qui est arrivé avec ses petits sabots et société qui produit de l'électricité ou qui commercialise de l'électricité plutôt propre ou renouvelable. Et donc, on vient de passer depuis 2 mois d'EDF à Enercop. Ah, et ça fait mal ? Alors ça fait mal, ça, c'est totalement indolore, inodore. Peut-être que la facture sera légèrement différente, mais c'est aussi simple qu'un coup de téléphone, presque. Presque ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficulté ? De passage, il y a seulement la volonté de le faire. C'est peut-être là où c'est le plus difficile. Donc, et qu'est-ce qui a suscité cette envie ? Alors, il y a 2 choses. Première chose, c'est que c'est effectivement cohérent de dire on a des bateaux qui sont non polluants. Et souvent, effectivement, oui, mais ils sont nucléaires, tes bateaux. Là, on va pouvoir dire, ah non, ils ne sont plus nucléaires. Même si les électrons, comme tout est centralisé, on peut peut-être avoir des électrons fabriqués on ne sait où. Ça, c'est une chose. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, la mouette, c'est un bateau qu'on a fabriqué, électrique, et qui est inclus dans les transports en commun. Alors je ne sais pas si c'est Enercop ou pas Enercop, mais c'est électrique. Et ça marche depuis combien de temps ? 15 ans. Vous fabriquez des bateaux ? Alors avant, ces bateaux-là, c'est mon ancienne boîte qui fabriquait ça. J'ai vendu depuis. D'accord. Donc ça, c'est concept personnel. Et depuis combien de temps vous 25... louez des bateaux ? Alors, on loue des bateaux depuis pratiquement 25 ans. D'accord. Donc, c'est une vieille histoire, mais une vieille histoire qu'on a l'impression d'être toujours jeune, puisque d'abord parce qu'on change d'énergie ou de producteur d'énergie, mais également parce que... parce que ça se développe, parce que les gens, ils partent moins longtemps loin et les activités sur place se développent beaucoup plus. Il y a une chose qui est relativement simple, c'est que c'est une activité qui plaît à tout le monde. On a des centres aérés, des petits gamins de 4 ans, quand ils montent, ils sont toujours un peu inquiets, ils reviennent, ils ont la banane. Des étudiants, on en a plein. Des jeunes couples, on en a plein. Des familles, bien entendu. Des retraités avec leurs petits-enfants ou pas avec leurs petits-enfants. Et il n'y a pas beaucoup d'activités qui peuvent prendre 1 heure jusqu'à la journée, qui peuvent plaire de la même manière, autant à une clientèle aussi importante. Et de quoi on a besoin pour prendre un bateau ? De rien. Il n'y a pas besoin de permis, juste d'une bonne humeur et d'avoir du plaisir de découvrir une rivière extraordinaire, et vraiment extraordinaire. L'Erdre, c'est une rivière... génial, parce qu'il y a des châteaux partout, il y a des points de vue superbes. L'avantage d'avoir des châteaux, c'est qu'ils ont créé des parcs en même temps que les châteaux, donc en fait, on se promène dans un grand parc. D'accord. Et il y a des visites guidées où on est tout seul ? Vous n'aimez pas être tout seul sur un bateau, là ? On est tout seul sur un bateau, mais c'est pas mal. C'est quand même mieux que le bus flottant. Là, on est autonome. Ça n'a pas l'air de faire peur à beaucoup de monde, puisque par saison, on doit avoir 45 000
personnes qui passent sur nos bateaux. 45 000 vrais aventuriers qui sont prêts à aller sur un fleuve sauvage. Vous avez parfaitement raison. Un festin de requins, c'est ça? Vous avez parfaitement raison. Le nombre de fois où je dis aux gens qui nous demandent, vous avez le téléphone, il y a le téléphone, vous pouvez nous donner votre téléphone si jamais on a un problème. Et on leur dit, vous inquiétez pas, c'est l'aventure. Autrement, ce serait pas drôle. Et là, sur l'Erdre, quel est le plus beau coin pour vous? Ah, y a plein de coins magnifiques, mais peut-être le point de vue le plus joli, c'est Gâché. Juste en face, il y a le château de la Gâcherie. C'est un espace qui est assez vaste, très boisé. Et il y a ce château avec la prairie et souvent des chevaux, avec des hérons partout. C'est presque magique, c'est extraordinaire. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est de louer un bateau pour aller voir ce super lieu. Et ça me prendra combien de temps? Alors ça, c'est un des lieux peut-être le plus remarquable, mais ils sont tous remarquables. Donc, en fait, les bateaux se louent. Le minimum, c'est une heure, donc c'est un rond dans l'eau quand on a envie de se détendre. Mais pour découvrir, il faut passer au moins une demi-journée ou une journée. Une demi-journée, avec un bateau comme celui-là, on va jusqu'à Sucé, on peut prendre un café et on revient. Donc on peut mettre une table, on prend l'apéritif. Imaginez prendre l'apéritif comme là, mais là on ne l'a pas fait comme ça. Très très bien. On déjeune en même temps que le bateau avance. Il y a un pauvre malheureux qui est obligé de se concentrer à la barre. C'est très dur, mais bon, ça arrive, ça se passe sans trop de problèmes. Et en une journée, on peut monter dans les plaines de Mazerolles, etc. Et on n'est pas obligé d'avoir un gilet? Les gilets sont à bord, mais on n'est pas obligé de les avoir sur soi, sauf les enfants. D'accord. La réglementation, c'est ça. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Va falloir que j'en loue un. Merci beaucoup. C'est un minimum, il faut absolument découvrir. C'est une chose à faire. Quel Nantais n'aurait pas pu faire ce genre de choses? Hein? Vous? Merci beaucoup. Enercop, c'est quoi ça? Alors Enercop, c'est un fournisseur d'électricité, au même titre qu'EDF, hein, qui est né en 2005 sous l'impulsion de Greenpeace, notamment, de la NEF, ou de l'ESPUL et de Réseau Biocop. Greenpeace et EDF, ils n'ont pas copains. Alors pourquoi ils sont copains avec Enercop? Alors, on a profité de l'ouverture du marché donc en 2005, où d'autres opérateurs, d'autres fournisseurs d'électricité pouvaient s'installer pour tenter une aventure qui est de proposer une électricité 100% renouvelable. Donc tous les producteurs d'Enercop fournissent soit de l'éolien, soit de l'électricité éolienne, de l'hydraulique, de la biomasse ou du photovoltaïque. Donc ça c'était un premier point. Et le deuxième point c'était de faire une coopérative. Donc Enercop est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui appartient entièrement aux consommateurs et aux producteurs d'Enercop. Donc ça c'est une grosse différence par rapport à EDF et aux autres fournisseurs d'électricité tout court. D'accord. Mais le nucléaire là-dedans, au milieu du biogaz et de l'éolien, vous en faites quoi? Alors Enercop n'en fait rien, puisque Enercop a refusé l'offre de la RENT. C'est-à-dire qu'Enercop ne rachète pas des volumes d'électricité nucléaire à EDF. Enercop n'a que des producteurs. Mais alors, votre électricité, elle est 50 fois plus chère? Elle est un tout petit peu plus cher, en fait elle est actuellement 20% plus chère. C'est tout, et elle correspond au vrai coût de l'électricité. Le coût de l'électricité EDF est biaisé, puisque les subventions que touche EDF ou tous les sous-traitants d'EDF, quoi, que ce soit le CEA, Areva et ainsi de suite, ou le fait que l'électricité, le tarif de l'électricité soit réglementé par l'État, c'est pas le vrai coût de l'électricité. Alors que le coût de l'électricité d'Enercop correspond vraiment au coût de production. De plus, ces 5 dernières années, là, les tarifs d'EDF ont augmenté de 20%. Avec la privatisation rampante et les investissements douteux que fait EDF à l'étranger notamment,
et le renouvellement du parc nucléaire français, quoi, la mise à niveau du parc nucléaire français vieillissant, l'électricité EDF va augmenter inexorablement dans les années à venir. Et il est même prévu que d'ici 2-3 ans, l'offre d'Enercop soit moins chère que l'offre EDF. Bon, déjà maintenant, si je comprends le concept, je paye 20% de plus, mais ça augmente moins vite et je ne pollue pas. Exactement. Ça, je laisse une terre propre à mes enfants. Tout pour à fait. 20%. Peut-être qu'en plus, comme ça, je consomme un peu moins, c'est ça l'idée? Ça fait partie des statuts, c'est dans les statuts d'Enercop, c'est aussi la réduction des consommations. Et vous m'aidez? Alors oui, on peut vous aider. C'est d'autant plus vrai quand il y a des SIC locales, puisque le modèle de développement d'Enercop, c'est par la création de SIC, donc de sociétés coopératives d'intérêt collectif en région. Donc pour le moment, il n'y en a pas en Pays de Loire, mais le jour où il y en aura une, eh bien, vous aurez des interlocuteurs locaux qui seront proches de vous et dont l'objectif sera de vous faire consommer moins et de développer des moyens de production locaux et citoyens. D'accord. Donc là, c'est clair, faut que je passe à Enercop. Comment je fais? Alors c'est extrêmement simple, Jérôme l'a dit, hein. Il suffit d'aller donc sur le site d'Enercop, enercop.fr, et de remplir un bulletin de souscription en ligne. Lorsque vous changez d'opérateur, que ce soit EDF ou un autre, à Enercop, la procédure dure 48 heures. C'est extrêmement simple. Et le mois d'après, vous recevez une facture Enercop plutôt qu'une facture EDF. Faut que je relève mon compteur avant? Alors oui, ces informations-là vous sont demandées. Mais vu que le réseau de transport et de distribution reste le même, ça reste un service public, hein, que ce soit RTE pour le transport ou ERDF pour la distribution, c'est totalement transparent. Eux ont les données de votre compteur. Ils basculent juste sur un autre opérateur pour la fourniture de l'électricité. Pour l'instant, sur les 85 producteurs qui fournissent donc de l'électricité à Enercop, il y en a une majorité donc, qui sont dans le sud-ouest, en tout cas dans les régions montagneuses, que ce soit Alpes ou Pyrénées, puisqu'à ce jour, c'est 95% de l'électricité qui est d'origine micro-hydraulique chez Enercop. Les autres sources étant pour l'instant marginales. Capteurs sur mon toit et pas le vendre à EDF, je peux pas? Ah si, vous pouvez tout à fait, sauf qu'ils seront, votre électricité sera achetée au tarif que propose Enercop, puisque malheureusement Enercop ne profite pas de la CSPE, donc qui permet de financer des nouvelles capacités de production en énergie renouvelable, mais qui malheureusement n'est attribuée qu'à EDF. Seulement EDF peut bénéficier de la CSPE. On peut faire pression pour que Enercop puisse en bénéficier? Alors Enercop fait pression depuis des années au niveau de la Commission européenne et c'est aussi un des aspects de la loi sur la transition énergétique. C'est que les subventions allouées, justement allouées au développement des énergies renouvelables, qu'elles ne soient pas simplement données à EDF mais qu'elles soient attachées au projet pour que Enercop puisse en bénéficier également. Donc actuellement, Enercop à ce jour, c'est 80 salariés, il y a 22 000 clients, 2 000 professionnels et 20 000 particuliers. Et chose très importante, il y a 15 000 sociétaires, c'est-à-dire que sur ces 22 000 clients, il y a 15 000 personnes qui croient à l'aventure Enercop et qui vont donc acheter des parts sociales pour augmenter le capital de la coopérative et qui participent également à la gouvernance de la coopérative. Il y en a 7 000 qui sont... pas là-dedans, comment ça se fait? Ils ont le droit? Ils ont le droit. On peut, chez Enercop, n'être que consommateur. Mais on incite quand même les consommateurs à prendre des parts pour participer à la vie de la coopérative. Et c'est un des aspects importants, hein, c'est justement l'aspect démocratique, c'est que chez Enercop, une personne égale une voix. Qu'on ait acheté 1000 parts sociales ou une part sociale, eh bien, on n'a toujours qu'une voix. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait sur le même ou pas? Pour moi,
prendre la trame avec la demande à Pascal, c'est lui qui a géré la trame.